Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que son nom soit béni. Nous nous accrochons à lui, nous nous accrochons à Jésus, quel que soit ce qui peut arriver, nous restons accrochés à lui. Je voudrais rappeler, avant que nous ne commencions notre enseignement d'aujourd'hui, que notre programme est participatif, Bandeko, Bandakabiso, depuis Kalabayebi était culte émission, Nabiso, Tokit Radiophonique, Nabiso, Izaraka, Ngaï Mokote, Nazoaka Maloba. Bino peo bozali kolanda biso a na Kinshasa to na ba province to libanda ya mboka bokoki pe ko zo maloba ya mwana na suka tuzaka na habitude ya kufungula ba telephone na biso ba numero na biso ezalaka 097 30 50 850 097 30 50 850 pona ba appel uniquement na numero wana et puis numero monsieur ezali pona ba SMS to ba message WhatsApp comme peu ko ko benga pe sou na numero wana mosusu ya 081 042 43 40 081 042 43 40. Tout qu'on rappelle ben numéro anan na souka yamater. Perte et profit. Nous sommes toujours dans Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Aujourd'hui nous allons lire du 7e au 11e verset. Excusez-moi. Philippiens chapitre 3. Tourotanga du 7e au 11e verset. La Bible déclare: mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, verset 10, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. L'apôtre Paul est en train d'écrire aux Philippiens. Depuis 4-5 séances, nous avons étudié ce texte de Philippiens, chapitre 3, du 1er au 11e verset. Paul est en train d'écrire aux Philippiens à partir de la prison. Il était emprisonné, mais il a encouragé les Philippiens à se réjouir dans le Seigneur, à être dans la joie. Et ce n'est pas quelque chose que Paul avait dit seulement dans cet épître, parce qu'il a dit, je ne cesse de vous répéter les mêmes choses. Vous voyez, je ne cesse de vous répéter les mêmes choses, parce que pour vous, cela est important, cela est salutaire, quand vous lisez au premier verset. C'est-à-dire que Paul a banné koyé, mais ça va continuer. Bozalane sengo, parce que, oyobino bozali, na katina Yesu Christo eleki nyoso. Yamona boza anesengo, quel que soit makambo boko ko vivre. Alléluia. Pour l'abis, soyez dans la joie. Et je ne cesse de vous le répéter. Oui, c'est-à-dire que ça le voit à Paul, hein. A teyi bango lelo. Nanzela mukanda, ton nanzela maloba. A ebisi bango. Boza anesengo katina Yesu Christo. Après un temps, a répéter un mot le sousou. Parce que biso to kanisaka ke maloba ya Nzambe il faut kaka makambo ya sika te les révélations yango ekolo sa pesi biso na liloba na ye na biblia hein révélation ya sika ezate ça dire zaka makambo yo même makambo no te bino ya makambo ya sika te ya makambo eza na kati ya bible ekolo sa pesa et il est important ko yoka yango lisusu ko reyoka ka yango ko maniola yango. Paul a dit, je ne cesse de vous répéter. Et un piège aujourd'hui, c'est que les chrétiens, les croyants, ont tendance à vouloir écouter des choses qu'ils pensent être des choses nouvelles. C'est pourquoi on va vous apporter des doctrines qui viennent même des démons. Et comme vous êtes friands des révélations, entre guillemets, révélations, ce que nous appelons abusivement Réma. Oeza Réma. Donc, on est ça la moelle. Paul, il a énuméré ce qu'on dit Philippiens 3, les choses, 6 ou 7 choses qu'il a considérées hier comme un gain ou comme des bénéfices, mais après avoir rencontré Christ,
il a considéré ces choses maintenant comme une perte. On a eu le temps de s'étendre sur cela, sur ces choses-là. Les messages, ces messages sont disponibles sur notre page Facebook, Centre évangélique Parousia, ou sur notre chaîne YouTube, CEP Channel officiel, où les bien-aimés qui sont avec nous dans nos plateformes sur WhatsApp ont tous ces messages en audio. Et aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur les gains. Sur les gains, ce que Paul a considéré maintenant comme un gain. Parce que quand vous lisez à partir du 7e verset, quand Paul dit, mais ces choses qui étaient hier pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Paul ici veut dire aux Philippiens, n'écoutez pas les judaïsants qui viennent vous dire que malgré que vous avez Christ, si vous ne passez pas par la circoncision, vous ne serez pas sauvés. Malgré que vous avez Christ, si vous ne faites pas les rites et les traditions, vous ne serez pas sauvés. Il dit non! Nous ne sommes pas sauvés par ces histoires-là. C'est Christ qui sauve. C'est la foi en Christ qui sauve. Pourquoi? Parce que Christ, c'est lui l'objectif. Christ, c'est lui la finalité. Yokelo konza matininga na yebi sa olelo. Yesu Christo, oyo yo lo barake ondimela. Oyo ngaina lo barake nandimela. Yesu Christo azali, en français je vais dire, Jésus-Christ n'est pas le moyen. Jésus-Christ, il n'est pas l'instrument pour obtenir le salut. Jésus-Christ, c'est lui l'objectif. Qu'est-ce que je veux dire? Peut-être que les gens ne sont pas là, de manière tordue. Yesu Christ, ba tout le monde, présente à Yé, le col à Moutoumoko, à Simba, le biko na maboko. Yesu Azan, le biko na maboko. Si vous avez un biko, ça m'a dit. Ok, aux yeux, le biko na maboko à Yesu Christ, ok, qu'on vivre vie na yo, qu'on mène vie na yo. Alors que le salut, ce n'est pas que nous venons prendre le salut chez Jésus et nous allons vivre notre vie. Non. Le salut, c'est lui là, Jésus. C'est lui. Alléluia. Donc, Jésus-Christ, il est l'accomplissement ou la réalisation de tout ce qui se faisait dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire, bah, rites, bah, cérémonies, ce n'est pas qu'au sale. Au hôtel, sacrifice, pendant Nzambe andi mayo, pendant Nzambe alimbisayo, nyoso wana ezalaki kotalisa biso Yesu Christo. Donc Yesu Christo ndengaza wana, azali yende mbeka. Oyo Nzambe andimi po biso tozwa lobiko. Yende lobiko. Est-ce que mutu moko azo sosola lelo? Jésus Christ, il n'est pas un instrument ou les moyens par lesquels nous allons obtenir le salut et nous les laissons à part. Non. Il y a un autre. Ceux qui ont considéré Jésus Christ juste comme un instrument pour obtenir le salut, c'est pourquoi tu dis être chrétien, mais ta vie ne reflète en rien Christ. Parce que, justement, toi tu es venu à Christ, non pas pour avoir Christ, mais pour avoir ce que Christ peut donner. Tu vis en Christ pour qu'il puisse te délivrer des liens de famille. Tu vis en Christ pour qu'il puisse détruire les hôtels des sorciers dans ta famille. Tu vis en Christ
pour qu'il puisse te délivrer de la pauvreté. Tu viens à Christ pour qu'il puisse te délivrer des maladies. C'est pourquoi tu es venu à Christ. C'est peut-être ce qu'on t'a dit. Alors que tu ne devrais pas venir à Christ pour obtenir ces choses-là, mais tu dois venir à Christ pour l'obtenir lui. C'est pourquoi Paul, il est en train de dire, dans la deuxième partie du verset 8, Philippiens 3, pour lesquels j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Paul dit, afin de gagner Christ, pas pour gagner ce que Christ peut donner, c'est Christ que je veux gagner. Qui as-tu gagné, ma soeur? Qui as-tu gagné, mon frère? As-tu gagné Christ? Où est-ce que tu as gagné ce que Christ peut donner? Alléluia! Alléluia! Perte et profit. C'est-à-dire, j'ai renoncé à tout ce que j'ai considéré hier comme un profit. J'ai renoncé à tout ce que j'ai considéré hier comme une bonne vie. Je les regarde aujourd'hui comme de la boue, comme de la saleté, comme de la fiente, comme des excréments. Pourquoi? À cause de Christ. Parce que j'ai gagné Christ. C'est pourquoi vous allez voir Paul, il dit ces choses aux Philippiens, mais lui-même il est dans les chaînes. Il est emprisonné. Il est emprisonné. Mais il est en train de dire des choses comme quelqu'un qui était beaucoup plus libre que les gens qui étaient en liberté physique. Alléluia. Parce que Paul, il a compris et il veut nous faire comprendre que Christ qui est l'objectif, Christ doit être la chose qui... Quand je dis la chose entre guillemets, en fait, Christ doit être ce qui nous suffit. Et ça, le cas là, on appelle cet exemple, mon cas peut-être un peu banal, mais ça peut nous aider à comprendre. Au moins, ce qui deux personnes qui sont amoureuses l'une l'autre, ce qui surtout, et le connaît, c'est remarqué à Kamingi pendant la période il y a fiançailles. Hein? Pendant la période de fiançailles. Au moment là, ceux qui ont allé au Vandina Mouto au Lingi, au Mouto au Zolinga, tu peux rester là sans manger, au lien au thé. Mais, aux autres ont éprouvé plaisir en restant avec la personne que tu aimes. Est-ce que vous comprenez? Ça dit, tant moussousou, au lit, tu as peut-être faim, tu n'as pas grand-chose dans tes poches, mais le fait de rester bavarder, parler avec la personne que tu aimes, t'es rempli de joie. Au bon sali même que baliaka. Pourquoi? Parce que tu es avec la personne que tu aimes. En fait, tu considères que être avec cette femme, être avec cet homme, vaut plus que de la nourriture. C'est pourquoi tu peux même faire fi de la nourriture, juste parce que tu es avec cette personne-là que tu aimes. Oh, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi, quand on était encore fiancés avec ma femme, il arrivait, elle habitait Lukunga, du côté de Lupen là-bas, et moi j'habitais Kasavubu. Mais il arrivait, quand je veux la voir chez ses parents, je pouvais quitter à 23h à minuit, quitter du côté de Lupen là-bas pour rentrer chez moi à Kasavubu. Je ne voyais pas l'heure passer. Je ne voyais pas l'heure passer. Je ne me disais même pas que mais il peut arriver que les moyens de transport deviennent rares, je risque de faire les pieds. Ça importait peu. Parce que l'essentiel, c'était de parler avec la personne que j'aime. Alléluia. C'est ça avec Jésus. Paul dit, toutes ces choses-là, ma vie passée, ma vie de coureur de jupons, ma vie de détourneur, ma vie de destructeur,
Ma vie y a ma copie, y a ma you, y a escroquerie. Ma kamwana nyo so na zako mwana wande te zako pesa nga bénéfice, te zako pesa nga marambabie, y a wande na zako vivre na ou. Mais le lolo kou na gagné Yesu Christo, ma kamwana nyo so y'a komi na ou pamba. Parce que Yesu Christo nda zelo kou ya motouya. Parce que Yesu Christo nda za objectif. Alléluia. Objectif. Ezatena za la mbonne santé na nzoto. Objectif, exactement dans la bambongo ebele. Objectif, exactement dans la promotion. Nous sommes yeso ko opesa, capable ko pesa ngo. Mais objectif eza yango te. Objectif eza de Yesu. Ye. Alléluia. Abi, à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. L'excellence de la connaissance de Christ. C'est dire ça le quoi la mutu. Osa ki na ignorance. Osa la komo na ke makam oyo yebinde ya bien. Mais si koyo, quand tu entres en connaissance de quelque chose d'autre, de beaucoup plus excellent, o komi mon na pena e na l'excellent na nga pamba. E na l'excellent na nga pamba makamba solo nde yangoyo. Yamana j'aime aller dire. Si quelqu'un se dit être chrétien, mais il se met à regretter sa vie passée, il doit s'interroger s'il est réellement né de nouveau. Si tu estimes que tu es chrétien et que tu regrettes ta vie passée, oh regretté, tant que nous avons un pagan, nous avons un bien. Tant que nous avons un pagan, nous avons un libre. Je pouvais faire tout ce que je pouvais. Ce que nous avons un regret, nous avons un bon, nous avons un bon, nous avons un bon, mais tout ce que nous avons un sur un solo. Oui, parce que ce qu'on a mis Yesu Christo via Kala, atta sur le plan social, vu non ya Kala, et Zala qui mieux que ta vie sur le plan social en Christ, tu ne peux pas regretter ton ancienne vie. À cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Alléluia. L'excellence de la connaissance de Christ. En fait, Paul veut dire ici, quand il dit excellence, cela désigne quelque chose d'une valeur incomparable. Quelque chose d'une valeur incomparable. L'excellence de la connaissance de Christ. Pour les gens là-bas, nous avons été là où nous avons été Yesu. Nous avons été là où nous avons regretté tes vies dans la cala. Pour nous gagner Yesu. Ça dit, mais tu vas quand même ça, Paul. Paul. Yo lobby, pharisien, osako nyo kola ba chrétien, osaki na bokonzi, osaki na autorité, o kanga ba chrétien, oso bwa kabango na boloko. Metala yo lelo, yo nde ba tie yo na boloko, osa sou libreté ba kangi yo, yo zo kanga lobby, me lelo ba kangi nde yo. Paul, tu es devenu malheureux, Paul. Non, Paul, si bon, bon comprendre te, bon comprendre te. Bonheur on a na zanango parce que na gagné Yesu Christo eza ko kokisama atamu ki ete na vi on azagi na ngo lobi papa lobi yumoko mu mabaza ko banga yo pozaki mutu munene ozaki mutu makasi ozaki mutu mbongo ebele mutu nyo zaye ko lenga yo soki mutu kanu zo le kabat ba otika nzela parce que tu étais un homme fort, tu étais un homme puissant. Mais regarde toi aujourd'hui. O lobi o koma ko sambe la. O pese bobo ino pa Yesu. Tala ndengo o komi. Moutu nyo sako o frekante yo. Moutu nyo sako o yana ndaku na yo. Moutu nyo sako o loba no li loba. Tala ndengo o komi loko a moutu pamba. Te, na komi loko a moutu pamba te. Je suis beaucoup mieux aujourd'hui avec Christ que je ne l'étais hier. Alléluia. L'excellence de la connaissance de Christ. La connaissance ici signifie connaître avec une expérience personnelle. Connaître avec une expérience personnelle. Oui, mais koyeba, to koyeba moutou, et ça la kanaba, n'a pas degré différent. N'en est aux aboyés, ce qui va tourner aux Zolandangaï, est-ce que oyebi président de la République. Pourquoi le banayebi
Naebi mokonza mboka. Komo na etel. Abotame sikatel, tata na etel, mama na etel. Akoma ki président na mbula boye. Tu vois, ça c'est une connaissance, je veux dire, superficielle. Ce n'est pas une connaissance qui découle de l'expérience personnelle. De la connaissance que moi et toi nous pouvons avoir du président de la République n'est pas la même connaissance que la femme du président a de son mari. Ce n'est pas la même connaissance que les enfants du président ont de leur papa. Vous pouvez dire que vous connaissez une personne, mais sa femme ou son mari, ses enfants connaissent cette personne avec une expérience particulière, une expérience personnelle. Et lui, quand on va nini, il y a un monde déjà dans le bateau, au quoi il y a bisaye, au moins il m'oute oyebi ki aramdu mabe. Est-ce que oyebi ki koute loko boye salman reza yende mouta zaki a la base de loko wana? Oyebi problem oyega moukwane zaki yende, zaki fote na ye. Omona mouta na koyebi sa onandimite. Non, jamais. Yete. Opona ni yete. Abi nandimite po nengenga na yebeli ye. Nengenga na yebeli ye. Jamais ko osala makambu wana. Ça dit que beaucoup de gens convaincre Moutouana, l'autre là, ça m'a béé, Moutouana. Alors, ça me dit, Ngana yébié. C'est mon frère, je le connais. J'ai une connaissance personnelle, ya Moutouana. Je le connais avec une expérience personnelle. Non, c'est ma femme, na yébi moi si nanga. Na yébi moba inanga, il n'est pas capable de faire le kabongo, te boko selié. Ce que mon mutu a au défendre mutu na conviction bongo, cela découle d'une expérience personnelle. Ça dit ils ont opéré ça y est fermeté dans la relation qu'il a avec cette personne. La connaissance personnelle que tu as d'une autre personne te donne une certaine fermeté dans ton engagement vis-à-vis de cette personne, dans ta relation vis-à-vis de cette personne. Et cela devrait être le cas avec Dieu. Si tu connais Jésus de manière personnelle, pas une connaissance intellectuelle, pas une connaissance de tout le monde, parce que même le diable, il sait que Dieu existe. La Bible dit que les démons savent que Dieu existe et ils tremblent. Mais ils n'ont pas cette expérience avec Dieu dont Paul nous parle ici. Alléluia. La connaissance dont Paul parle ici va un peu plus loin. Elle peut être comparée à la connaissance intime. Alléluia. Elle peut être comparée à la connaissance intime. Je vais parler de l'intimité. Oui, l'intimité. Il y a un moment dans la Bible, Adam connut sa femme Ève. Vous voyez? Adam connut sa femme Ève. Il pouvait dire que Adam a eu des relations intimes avec sa femme Ève. Mais ça peut être aussi traduit comme cela. Lui, second, traduit ça comme cela. Adam connu sa femme Ève et ils enfanta. Osomona. Connaître, là, ça veut dire que Adamu na Eva bakoutani. Banzoto na bango ekoutani. Et l'on peut salemi entre Adamu na Eva et qu'on peut salemi kaka entre moi si na mobali. Expérience wana. Et qu'on s'en met entre moi si na mobali. Cette connaissance-là. Alléluia. C'est qu'on Paul, fort de cette connaissance personnelle de Christ, il était inébranlable. Même na katia prison. Mais moral, makasi. Même na katia prison, il savait à qui il avait cru. Il y a un jour, il y a un jour, il y a à cause de Christ. Parce que j'ai gagné Christ. En fait, Paul voulait leur dire, regardez ce que j'ai gagné. C'est Christ que j'ai gagné. Et quand j'ai gagné Christ, toutes les autres choses là peuvent découler de Christ. Parce que mon objectif, ce n'était pas de chercher ce que Christ donne. Mais mon objectif, c'est d'avoir Christ, lui. Donc, ça veut dire que si j'ai Christ,
Je peux manquer. J'ai Christ. Je peux manquer ce que les gens pensent que c'est nécessaire ou obligatoire que je puisse avoir. Je peux même les manquer. Mais je m'estime heureux et je suis heureux parce que le plus grand gain, l'objectif, c'est Christ. Donc, je suis totalement satisfait en Christ. Je suis en prison, mais je suis totalement satisfait en Christ. Alléluia! J'habite un studio. Je ne suis pas encore capable de me payer une grande maison. Mais je suis totalement satisfait en Christ. Parce que mon objectif, ce n'était pas de gagner une grande maison. Mon objectif, c'est de gagner Christ. J'ai Christ et je suis satisfait. Alléluia! Mandegolanga, si vous comprenez ma camboyo, si vous sosoli ma camboyo, bako sakana na yote. Si vous sosoli ma camboyo, okozala inébranlable na kondima na yo. Dans ta foi, tu vas être inébranlable. Oui, tu ne vas pas te laisser embobiner par des fausses doctrines. Tu ne vas pas te laisser embobiner par des fausses doctrines, par des prédications pernicieuses, par des choses qui t'écartent de Christ. Parce que l'idée est nous sur la copie ça y en est. Enseignement nous sur la côté ça y en est konanga. Il faut ça l'enseignement eux ont même un à Christ eux ont la qui ça Christo. Parce que Paul a la qui si awa. Moto obiso Seigneur ils ont gagné ça Christ. Et c'est l'homme souté. Oui il y a Christ. Alléluia. L'autre fois je disais à certaines de mes proches que conformément à ce que la Bible dit dans Deutéronome. Ce qui m'a pêché aux prophéties, ce qui m'a pêché aux paroles de connaissance, à ta ezali exact, c'est-à-dire à pêché aux sakoli, et kokisami, m'a pêché aux paroles de connaissance, au moni, et ça pêché à moi, c'est-à-dire, moutoua rebsa, yon ne mozana na omona, papa na yo, komo na etimam, maman na yo, comme on est l'ouzolo. Papa na yo abotama en 1943. Tant mon papa na abotamaka, événement boye sale maka. Et quoi ça pena yangoko? Oui, effectivement, c'est ce que papa nous disait. Tant abote loko boye sale maka. D'ailleurs, nous sommes na yo nego zawana. Avant oya awa. Nanda kuna yo, et loko boye sale maki. Au moins, bene exact. A combien de biso d'ailleurs, nego zawana kata moutema no kanise loko boye. Ya solo ko. A pécio pelisakoli. Dans deux jours, au moins, il y a un salemi na vie. Au moins, il y a un salemi. Si la Bible fait comprendre, il y a un salemi. Il y a un salemi. Il y a un prophète. Il y a un prophète. Ça ne suffit pas. L'accomplissement d'une prophétie ou l'exactitude d'une parole de connaissance ne suffit pas pour authentifier qu'une personne est effectivement moto na nzambe. Nkolo lobi boye. So ki moto na pesio prophétie et kokisami. A pesio parole de connaissance avec exactitude. Mais so ki moto na a memi e pa ya banzambe mususu. Yeba yango ki aza mo sakoli ya lokuta. C'est ce que Deutéronome nous dit. So ka lobi no allons après d'autres dieux. Même si prophétie appelle ça qui yo et kokisami, yeba ngoke, aza moto lokuta. Alléluia. Ça veut simplement dire, toute parole de connaissance qu'on peut te donner, toute prophétie qu'on peut te donner, doit te conduire à Christ. Doit te conduire à Christ. Ça ne doit pas te conduire au prophète. Ça ne doit pas te conduire au pasteur. Ça ne doit même pas te conduire à toi-même. Ça doit te conduire à Christ. C'est en cela que tu sauras qu'on les a dit sakolia solo. Que parole de connaissance ne peut pas en zambé. Tant que même mot n'est pas à Jésus Christ. On comprend. Mais ce que les sakolia ne peut pas si yo. On m'a dit à Jésus en athée. On m'a dit à Yomoko. On m'a dit à Yomoko. Ta satisfaction personnelle. Tu ne vois pas Christ dedans. Quand on te donne une prophétie, ça te ramène plutôt vers l'homme de Dieu au lieu de te ramener à Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Parce que c'est Christ qui nous suffit.
Oui, c'est lui l'objectif. Alléluia. C'est Christ qui nous suffit. C'est lui l'objectif. Paul a lobby à cause de l'excellence, de la connaissance de Christ. Alléluia. Alléluia. Paul veut nous dire que Moutouroul Azana Katina Yesu Christo, non seulement à quoi qu'on regrette tes vinaïs à Kala, mais Oyo Nyonso Ezama B, tout ce qui est péché, tout ce qui est contre la volonté de Dieu, ne peut pas réjouir une telle personne. Tout ce qui est péché, tout ce qui est contre la volonté de Dieu ne peut pas réjouir un enfant de Dieu. Oui, ça ne peut pas te réjouir. Parce que ta joie, tu l'as en Christ. Tu ne peux pas te réjouir des choses qui n'honorent pas Dieu. Tu ne peux pas trouver ta satisfaction dans des choses qui n'honorent pas Dieu. Hier, sous ma mélange a été, au quoi mélanger nous embêter, n'a pas nous amener nous sous. C'est-à-dire, pendant la semaine, je trouve mon plaisir dans des orgies, je trouve mon plaisir dans des actes qui ne plaisent pas à Dieu, je trouve mon plaisir dans des concubinages, dans des communes sales, dans des vols, dans des détournements, dans des réjouissances inutiles qui n'honorent pas Dieu. Mais les dimanches, je dois aller au culte. À 6 heures, je dois être à la messe. Hein? Oui, mais dimanche, il faut prier. Dimanche, il faut qu'il n'est pas en colo, il faut que ça me là. Hein? Pendant la semaine, ton plaisir, c'était dans autre chose. Et c'est le dimanche maintenant que tu viens chez Jésus. Comme s'il était un instrument. Non. Ta satisfaction, c'est Christ. Et l'inkoloba, l'obi et c'est mon ange, zala qui, tant que tu as ça, ma kambouana, le lenge moko boye. Mais l'élo, n'a pas considéré comme si n'a pas raté. D'ailleurs, n'a délivré dans ma kambouana, parce que c'est mon ange, zande kati, na Yesu Christo. Alléluia. Alléluia. Paul, en prison, mais il se réjouit en Christ. Bien aimé dans le Seigneur. Yeba yango. Soki ozo regrette vino akala, mituna. Soki ozo apena mwana nzambe. Kasi. Soki malgré ba mpia kanao. Malgré ba problème okuta nango. Yesu Christ na zo tondi sa kimia na motema. E se mono eza na kati na Yesu Christ. Atoko ozanga. Et quoi arriver pour qu'on peut s'imiter? Et quoi arriver pour belle et malade? Tant que vous êtes malade, grave! Et il faut le battre que Yesu azate na bo moyen yo. D'ailleurs, quand il est dans ta vie, parce qu'il faut qu'on y ait bien, ouais, c'est peut-être dur à avaler, mais c'est la vérité de l'évangile. Yesu Christ, tant qu'on dit mêlé Yesu Christ, ayebi si yote que tant qu'on dit mêlé, Vino zaka rose, te. Orbela sou te. Mpiakeria sou te. C'est-à-dire que tu peux même plus vivre la disette. Difficulté ou ya sou te. Non. Ça peut arriver. A l'obi d'ailleurs. Ou alingi ko landanga sa la nini. A meme koulou sou la yi. Si ko yo. Lokolo linga ko meme koulou sou te. Il y a un entraîneur qui a pratique moko non biblique. Ba pratique moko oyo, et ça conforme tena li loba nzambe. Parce que yo, si vous vendiquez à moi deux jours, vous avez un bon côté. Ah, mon lit ma pauvreté, mon lit ma pauvreté, ma nico la nanga. Il faut bâtir un hôtel pour chasser la pauvreté de ta famille. Tu vas prendre même ce que tu n'avais pas pour bâtir cet hôtel-là. Parce qu'on t'avait dit que quand tu viens en Christ, plus jamais qu'on osa nambon. On dirait que Yesu Christ a sauvé qui oppose à nambon et belé. Non.
Yesu Christo aleki mbongo. Oui. Nakoza anango, comme nakoza zanga. Mais Yesu Christo yende profit. Yesu Christo yende profit. Ah oui. Yango romana ba potre. Tala ba potre ya Yesu Christo. Tala biblia mome bat ba saleli Yesu Christo. Ce n'étaient pas des gens qui ont vécu dans l'opulence. Non pas parce que Jésus était incapable de les enrichir à l'extrême. Non, parce que les richesses n'étaient pas leur objectif. Leur objectif, c'était Christ. Alléluia. Leur objectif, c'était Christ. C'est pourquoi un enfant de Dieu, la richesse dans la vie de l'enfant de Dieu, c'est la conséquence. Ça ne peut pas être l'objectif. Devenir riche, ce n'est pas l'objectif, c'est la conséquence. Alléluia. C'est Christ l'objectif, c'est lui. Quand tu as Christ comme objectif, tu peux être riche, richement riche, si vous permettez l'expression. Mais tu ne seras jamais dans la déviation. Parce que c'est Christ l'objectif. Il y a un moment où il y a un moment où il y a un bon ébélé. Mais au moment où on a mené vie, moi quoi, simple. Ana mbongo belé ma orgueilleté. Parce qu'a yebi que objectif n'a rien à mbongo té. Mbongo ezaka à conséquence. Comme une sœur me disait, oh j'ai été édifié. Elle a dit, ce qui dit son nioso, ma Christ tout au sosoliété, mi solo nioso. Oh yon kolo alexa na mabongo na biso. Eza biso teza yé, tozaka ba gestionnaire. Toko sa l'orgueilleté. Et ça, le quoi, tu vas simbi sur mon. Est-ce que yo so mon amour, toi, ça trésorier, toi, ça caissier, hein? Toi, tu es trésorier, et dans les trésors, tu as des milliards. Tu vas dire aux gens que tu es milliardaire. Est-ce que la personne qui gère la caisse de l'État, hein, ou l'ordonnateur, il peut dire qu'il est millionnaire ou milliardaire parce qu'il gère l'argent de l'État évalué en milliards? Non! Donc tu peux avoir beaucoup d'argent. Quand tu considères que je ne suis qu'un gestionnaire, Dieu fait passer cet argent entre mes mains, je gère son argent à lui, je gère ses biens à lui, je ne veux pas aller ko luka ko écraser batou. Na ko luka na s'enorgueillir te na ko vimba ma pekate onga na leki batou na mbongo nga na zaboye. Non, parce que na on gérer et en ateza en kolo. Alléluia. Christ, c'est lui l'objectif. C'est lui notre gain. As-tu déjà gagné Christ? As-tu déjà gagné Christ? Quand tu gagnes Christ, lui, il te justifie. C'est pourquoi Paul parle de la justice qui vient de Dieu par la foi, pas par les efforts. Pour moutou mokota koko bikisama, c'est Christ qui nous justifie. C'est Christ qui nous justifie. Tant que nous avons Yesu Christ, nous avons fort mon côté. Pour que nous avons fait un peu de la famille longue. Nous avons fort au salaté. C'est Jésus-Christ qui a ôté tout cela. Parce que quand je suis en lui, je suis une nouvelle créature. Donc, on a dit que ça, là, on sacrifice mon côté, na tumba mbeka, na pesa loko tel, pour que toute la famille kweya te. Tant on a Yesu Christo, je suis une nouvelle créature. Quand j'ai gagné Christ, un nouvel homme. Alléluia. Et si Dieu le veut, on verra cela la prochaine fois pour clôturer cette série intitulée Perte et profit. Prions le Seigneur. Prions. Prions. Nzambe tata na biso to pesio merci pour na lilo banayo na tongo na lilo. Merci. Nengo so solisi biso ete. Toza ba tuto ki maka derrière richesse te. To ki ma derrière ba bien matériel te ba avoir te. Bilo ko na nyonso. E ko za na onka a conséquence. Parce que l'objectif n'a pas été de gagner mbongo ebele. L'objectif n'a pas été Christ. De gagner Christ. Pour Christ, on a été ça. On a été là. On a été là. On a été là. On a été là. Et c'est. Parce que
Christ me suffit. Je n'ai pas besoin d'ajouter autre chose au-delà de Christ pour être heureux. Je n'ai pas besoin d'ajouter autre chose sur Christ pour être heureux. Je suis heureux en Christ. Je suis heureux en Christ. Ma vie d'hier, Seigneur, je la regrette. Je la regrette, ma vie d'hier. Oui, j'ai passé mon temps dans des bêtises. J'ai passé mon temps dans des choses qui ne t'honoraient pas. Mais aujourd'hui, j'ai gagné plus que ce que j'avais dans le monde. Oui, Seigneur, hier, je pouvais me taper des vacances partout dans le monde. Hier, je pouvais offrir des véhicules aux gens. Hier, je pouvais offrir des maisons à des copines, à des copains. Mais depuis que je suis en Christ, je ne suis plus capable d'acheter une maison à quelqu'un. Mais je suis heureux parce que je suis mieux qu'hier en Christ. Merci Seigneur. Laisse que ta joie inonde nos cœurs. Que ta paix inonde le cœur de ma soeur. Que ta joie inonde le cœur de mon frère. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié pour ma soeur, pour mon frère, ainsi que pour moi-même. Amen.